Salut les viewers, c'est Marcus Benus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands. Donc l'avant-suite. Jolie flingue Tedia. Je ne me rappelle plus ce qu'on devait faire. Pardon. Rendre l'amour à la rude. On va reprendre le chargement. Moi je lance le timer. Hop. C'est quoi, c'est moche. C'est toujours un plaisir de traiter avec un chasseur de l'arche. C'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai, moi? C'est Ouais, toi, celui-là aussi est bien. Saigné. Venir voir Nina. Nina s'occupait de toi. Quelle belle journée pour faire des affaires. D'accord. On a une personnalisation. Ce que j'en ai vu à ah, valider. C'est parti. Et donc normalement on peut rentrer à Concordia via un truc, non? Ah je croyais. Mince, je me suis planté. Par contre on va prendre un véhicule ici. Alors, petit lilas, c'est bien rose. Non, c'est une image rose. Petit lilas, c'est pratiquement pareil. Et gobelin, il est joli. Vermillon, il est joli aussi, mais bon, pas plus. Charge de profondeur. Pourquoi pas, je vais prendre le gobelin, je pense. Green Goblin. C'est parti. Alors, où est-ce qu'on est? C'est par là. Ah, il est super classe. Hop là. Ah oui, j'étais mort ici. Je crois. Je sais plus exactement où j'étais mort. Bon, c'est pas grave en soi, c'est parti. Alors juste une seconde. Il va me falloir vérifier une chose, le doute d'avoir fait un... Oui, donc tu vois ça, le laser géant qui essaie d'exploser la lune en morceaux. Je te laisse t'imprégner un peu. Je doute d'avoir fait un test son. Donc ça me dérange. Je vérifie mon casque, ça devrait aller, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Ah, je vais regarder, excusez-moi. Re-excusez-moi, donc tout fonctionne, il n'y a pas de problème de son. Tout est en état de marche, c'est parti, on progresse. Et il est superbe ce Stingray. Hop, bonjour, alors là tu as un pistolet Jacobs armé. Qui m'intéresse. J'achète toujours les flingues dont vous ne vous servez pas. Beaucoup. C'est le même en mieux. Et votre argent même si ne les deux vaut premières rien balles font moins si de vous ne le dépensez pas. Je vais le prendre. C'est toujours... Il est bien. Malgré tout, il est bien. Un plaisir de prendre votre argent. Oui, je sais que c'est toujours un plaisir de prendre mon argent. Ça, je peux le vendre. Toi, je te garde. Toi, je te garde. Toi aussi, ils peuvent te vendre. Toi, je te garde. Toi, je te garde. Alors. Je te vends. 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 Et... Je te vends. Je te vends, je te vends, je te vends, je te vends, je te garde, je te garde, je te vends, je te vends, je te vends. Parfait. A plus, chasseur de l'arche. Très bien intéressant. Passe le mot. Nina retape. Munition. Ici. J'aurais bien aimé que ce soit un justicier. Pas mourir. Tant pis. J'arrive, Nina. Je serai là dans quelques instants. Hop. Juste passer. Oh non, je referai jamais ça. Ah oui, alors j'ai compris, parce que ça s'appelle Autologue. Faites-leur un deuxième trou de balle, aux méchants. À la base, sur Pandora. Bienvenue, sur Pandore, excusez-moi, je me trompe. Oh là, l'amalgame. L'amalgame. Sur Pandore, donc, c'est Autologue pour avoir. simplement pour avoir un véhicule.
Mais pas Munzumi. Le laser d'Hyperion est vraiment effrayant. Pourquoi tu dis ça sur un ton où ça t'amuse? Enfin, où on dirait que ça t'amuse en tout cas. Alors. Ça, trop cher. Juste bon gâcher argent. Merci, chasseur de l'arche. Peut-être toi trouve l'âme sœur et toi presque la tuer aussi. Nina retape vie et bouclier comme pas deux. Bon. Alors, on a fait plein de défis. Combien que j'ai de jetons de Brutas? 2. Dégâts. Dégâts des coups critiques. Dégâts des coups critiques. Voilà. C'est parfait. Alors, on va passer voir ici aussi. Tu ne sais plus quoi faire de ton argent? C'est bon. Et donc, en mission, nous allons prendre celle-ci. C'est parti. Oh, c'est dingue comme le temps passe vite. Bon, j'avais des vendeurs là aussi. Un vendeur d'armes en fait. Pourquoi détrousser les morts alors que vous pouvez tout acheter ici? Non. Bonjour, je gardais toi en vie, oui? Non plus. Bon, on va en profiter pour utiliser un nouveau type d'arme. Hein. Celui-là. Le type d'arme qui ne rigole pas, tout simplement. Déployer le véhicule, monter dans le véhicule. C'est parti. Et on progresse, chers amis. Et yo! Voilà, c'est bon. Et yo! Mortel celui-là, c'est pas possible. Allez. Yo, il y en a un autre. C'est con, tu veux pas retourner dans ton garage. Lâche. Espèce de quoi. Bref, continuons. Donc là il y a encore un vendeur mais j'ai pas m'y intéressé. Hop. Vous êtes tout près du gyroscope. Repoussez ces pillards envahissants. Oui, monsieur, bien monsieur. Bonjour. Bon. Ah. Attention, entrez dans une atmosphère positive. Il tombe des bouts de son corps, carrément. Comment je peux récupérer ça? Tu veux danser, Steve? Je vais faire des chipots maintenant. Hop. Prudence, entrez dans le vide. Hop. J'avais oublié. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Excellent, on y est presque. Revenez à mon labo et je vous laisserai admirer toute l'étendue de mon génie. Si vous croisez les voisins, saluez-les de ma part. Tes pieds ont l'air confortables. Hop. Oh. Oh. L'un de nous est fou. Devine lequel. Fais des prières. T'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Y'a un truc qui flingue. Hop. Oui, c'est... Voilà. Dis donc, tu t'es un peu fait dessus. Mais c'est pas grave, hein, je t'en veux. Je t'en veux. C'est tout. Bon, progressons. Hop. On va faire un saut sympathique quand même, une bonne longueur comme on dit. Allez. Hop. Comme papa dans maman comme on dit.
Il y avait un rayon de braquage qui était pas bon là. Pendant un instant, j'ai cru que je jouais à. Là, c'est par où? J'ai donc pendant un instant, j'ai cru que je jouais. Voilà comment je dis bonjour. À Euro Truck Simulator. Génial! Et où est-il? Ah oui, il est tout en haut, j'avais oublié. Oh, désolé mon ami. Alors, oh. Je l'avais oublié qu'il était en haut. Ce siphonné du bocal, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Hein. Voilà. Plus de gravité ici? Bizarre. Non, vraiment. Dégage. Hop. Je vais t'envoyer de l'autre côté. J'adore. T'adores quoi, frapper du nain? Les mains en l'air. J'ai les mains, lui. J'ai mordu. Regarde, maman. La poussière. Esquive. Bon, nous avons un beau point à mettre. On va pas s'en priver. Que faire? Que choisir? Hop, ça on va le prendre. C'est parti. Je vais t'arracher la tête. J'aime ça. J'aime les technoxies. C'est le meilleur moment. Allez! Prends ça! Un jour! Je sais qu'il y a encore une fois! C'est sérieusement vous qui aurez dû m'en douter! Grenade! Buggy lunaire! Dommage! Et que de la confiture pour moi! Il n'y a pas de rame pour le barbecue. On ne bouge plus. J'ai ma putain de crève, moi. Je l'ai refroidi. Hop là. D'accord, donc on voit le comment le... Le décompte. Hop. Un vrai talent pour crever. Ça sent dégoûté. Ça va faire mal. Voilà. On continue le nettoyage. Ça me semble terminé. Hop. Hop. Et voilà. Bonjour mon ami. C'est merveilleux. L'Excelsior est presque paré au décollage. Il reste malgré tout un problème. Des Shugorath rôdent à proximité de ma fusée. On ne peut pas risquer un accident. Dégagez-moi la voie. Prudence. Aucune atmosphère détectée. Ok, ils font extrêmement mal. Oh, les ennuis me rattrapent toujours. Alors. Tentons ceci. C'est contrariant. Exterminez-les.
Que justice soit faite. Vous prenez l'intérêt ? D'accord, les dynamiques, elles ont des cristaux dans l'air. Ok, je viens de le comprendre en fait, simplement. Alors ça pue. Je m'étais pas senti. Voilà. Oh la moule. Décollage. Retrouvez-moi dans la galerie pour avoir une place de choix quand mon incroyable création laissera parler ma musique. Allez, mamie. Dans 3. Vas-y. 2. 1. Décollage. J'ai cru que ça allait pas partir. Semble bien. Et en avant la musique. Mon Dieu. Attention, ça arrive. Hein? Non! Que se passe-t-il? Ici DJ Boomerang, en direct de leur platine remontée à bloc, prêt à envoyer du son. Une petite dédicace spéciale de la radio pirate aux habitants d'Elpis. Non, non, c'est impossible. Ma musique ne peut pas mourir. Je vais augmenter le signal malgré les risques physiques insensés que ça me fera courir. Il me faut plus de puissance. C'est con quand ça arrive. DJ Boomerang, on se retrouvera très bientôt. On balance ça sur les ondes pour tous ceux qui représentent. Elle est géniale. Est-ce qu'on peut aller voir? Non? Fonctionne pas? Dommage. Dommage, 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 dommage. Hop. Comme quoi ce shotgun est très efficace, hein, faut reconnaître. Hop. On n'a rien à prendre. Alors la dernière fois il me semble que je l'ai raté ce saut. Hop. Mais là non. Voyons voir. Oh putain, des modes de grenade. Eh bien, chers amis, c'est ce qu'on appelle communément la dèche. Pauvre petit chéri. Hop, dans les yeux. Mais il est bien ce fusil, quand même. Niveau d'oxygène à moitié. Oh. Hop. On va aller se rendre à Concordia. J'ai envie d'aller jouer un petit peu aux machines à sous. Tant qu'on en a, après tout, on va pas s'en priver. Alors ? Viens, je t'attends. T'as pas l'air con, tiens. Wouah. L'armée attaque. C'est une petite chougraque. Hop. Mince, j'avais oublié. Entrez dans une atmosphère positive. Hop. Bon, direction Concordia, chers amis. Hop. Et ensuite, nous mettrons fin à l'épisode après 2-3 petites divagations dans la ville. Hop. Casse-toi de là, sale cône. Bon. 1, 2, allez, ça commence mal.
Bon, y'a des morts? Non, tout le monde va bien. C'est parfait. Oh, un shotgun. J'adore cet endroit. Un niveau de brutasse en plus. Oh cool. Sortez max. Les sous. Ah, j'y ai cru. Hop. Ouais, génial. Bah voilà une bonne nouvelle. 56, en plus c'est pas rien. Un petit coup, puis après on va voir notre ami. Hop, voilà un peu de sous. Notre ami. Bah ça alors. Bienvenue dans mon humble échoppe. Des vagues, des vagues. Il est jaune, il est joli, très joli. Faites-leur un deuxième trou de balle, vous méchants. Adieu, Mérif. Ken est complètement débordé avec toutes ces réparations. T'as toujours rien acheté? Alors. Eh, tu vas buter plein de saloperies avec ça. Voilà. Ouais. Et ramène plus ta sale gueule. Histoire de pouvoir être tranquille sur ce lance-roquette. Les flags, merveilleux flags. Il est beau celui-là. Je reçois toujours. Bon, encore une fois, merci les amis d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le pouce vérifier s'il vous a plu, à le commenter si vous voulez me donner vos astuces, à le partager si vous voulez tout simplement me faire connaître auprès de vos amis. N'hésitez pas aussi à, entre guillemets, postuler, à donner vos Steam dans les commentaires si vous voulez participer à une décision de mes tournages sur Borderlands comme sur un autre de mes jeux. N'hésitez pas non plus à me conseiller certains de vos jeux. Moi, je pourrais toujours voir si vous voulez, si je peux faire une partie dessus, voire même avec vous. Encore une fois, merci d'avoir regardé et à demain pour d'autres épisodes.